Merci parce que bon chien télénational et dans le ça, c'est téléjournal là qui rentre la caillou, mais puis gros point, nous pourrons le développer en deux journal ça. C'est jeudi, vendredi, 10 mars là, quand ancien président René Garcia Préval était exposé dans Mupana depuis 2 heures dans l'après-midi pour 6 heures. C'est un premier parti dans le cadre de funérailles nationales qui a chanté pour ancien chef l'État. Plusieurs personnalités politiques et dans la société civile là défilé après-midi là, devant des pôles ancien président René Préval pour rendre un dernier hommage. Dans un communiqué publié dans la presse, la présidence annonçait le national a avancé de 60 minutes à partir dimanche 12 mars, cap vini là, de 2 heures le matin. Ministère environnement, Union européenne avec nous de présenter jeudi à résultat plusieurs travaux réalisés sous dossier changement climatique là. Et bien, environ 5 mois ont perdu la vie dans un accident hélicoptère dans la ville Istanbul, le pays Turquie, vendredi 10 mars là, d'après l'agence presse russe TASS, parmi 7 victimes, il y a 4 hommes d'affaires russes. Nous avons tenu après pause là pour le développement. Sexy, nous prenons bien vite, boîte. Sexy, apportez une chocolat à vous. Oh, t'es comme tout ça. Pour bagaille. L'autre chou messel, l'on Ligue toute dernière technologie. Ou qu'à connecter USB, iPod, iPhone. Ligue Bluetooth, elle gonne radio, touchscreen. Ligue où il soit, même sous le petit pasta. Parce que votre suspension est renforcée. Ligue une transmission automatique, 6 vitesses. Avec le turbo, 4 charges. Vos tests à regarder. Tout route plat, toute tête bonne. C'est bon. Yo, sexy, sorti pour Chevrolet Colorado. Allez, allez, va, va. Chevrolet quand même. Chevrolet Colorado, il se lit tout moche. Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou à famille ou dans affaires, dépenses pour le paiement, frais l'école, hypothèque pour caillou à flotte de dette. Nous partons encore pour payer pour assurance vie et tenir un compte spécial pour te faire intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Pour cas utiliser l'argent de ça aussi, l'urgence de l'hôpital, frais d'éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ainsi, payer assurance vie universelle pour être nous arroser, nous devons assurer la vie, nous, famille, admirer, même si la vie est trop dépense qu'il faut faire dans un temps. Grâce à assurance vie universelle là, et ainsi toujours continuer. Prendre votre dans le domaine d'assurance en Haïti parce que la plainte est pour protéger vous et puis pour qu'il y ait confiance. C'est un produit séjourné. Bienvenue dans le développement. Téléjournal, là, c'est dernier sorti pour semaine-là. Et n'a plus ouvert avec page météorologique, là, avec les prévisionnistes, nous, Nicole François Selon. Aujourd'hui, c'est vendredi 10 mars, c'est un week-end. Moi, je suis content avec nous pour nous connaître qui j'ai conditions météo en sous-pays pendant le week-end. Donc, nous allons faire un bon petit parcours avec image météo pour nous être capables de voir qui j'ai conditions matérielles liées à l'abrité sous-pays pendant le week-end, puisque nous notons qu'il est réellement sec, en pile poussière, va souffler, est-ce qu'il y a un petit changement. Donc, nous allons voir ça tout de suite avec image. D'abord, on va commencer avec une image infrarouge.
au niveau bassin Caraïbes qui montre que son masse d'air globalement qui ont tige stable, mais quand même si nous regardons au sud de Porto Rico, on a remarqué un petit masse nuage qui a voyagé vers l'ouest, donc c'est un petit avec de surface qui au niveau des Antilles qui a charrié humidité pour un moment sur partie centrale Caraïbes. Donc Titan ça vient concerner pays d'Haïti pour week-end là avec quelques activités la pluie, donc on tant qu'à plus ou moins instable avec nuages très fréquents. Et la pluie probable pour fréquenter un pile département pour samedi avec dimanche. N'a regardé masse d'air là qui vraiment instable avec tête à prime W, c'est deuxième image ça que nous avons regardé avec une couleur orange qui réellement foncé, ça montre activité convective probable avec passage ti creux de surface à au sud bassin pour week-end là. Et également vitesse verticale qui monte effectivement masse d'air là instable et lui créer ascendance donc un pile nuage pour développer qui pourra chuter probablement sous forme de pluie pour samedi avec dimanche. Donc image ça qui est les VV, vitesse verticale, c'est ça nous avons regardé. Donc pour prévision la pluie pour week-end, assoyant, on a regardé, c'est plutôt si la pluie isolée qui a fréquenté le département qui a un rapport seulement avec phénomène local, donc brise de mer en particulier, au niveau du département la Tibonite ou bien non, et côté sud-est tout, capable de la pluie isolée, mais qui n'a pas vraiment un rapport avec un petit creux de surface là qui a traversé, mais plutôt à partir de demain samedi, on a regardé avec image ça, donc la pluie a potentiel plus important. Et département autour qui a fréquenté avec plus, c'est surtout au niveau nord, centre et puis sud-est, sud-ouest. Donc toute partie sud-lanet a concerné avec passage, creux de surface qui a porté la pluie, un tigeon très fréquent et très important sous département ça que nous montrons là et que nous citons pour. Et dimanche aussi, dans la journée, c'est Valentin qui a un tigeon ensoleillé et risque encore pour gagner la pluie assez important qui fréquentait même département ça que nous sommes gardés et nous sommes cités pour. Pour capitale la soirée, n'a pas été avec un temps qui plus ou moins stable, petit passage de nuages avec risque pour avoir un petit la pluie isolée qui fréquente quelques endroits, mais pas de gros prévision la pluie pour capitale la soirée, mais la concerner tout par un passage quoi de surface là au sud pour week-end. Donc ça veut dire pour samedi et dimanche, capitale en tout a prêté en bas influence tant en temps qui humide, ça veut dire instable avec nuages et puis probabilité la pluie pour fréquenter. Côté température, maximale a été montée à 34, minimale a descend à 31. Donc, l'abdomen est assez frais. Et à partir de demain, la continue à chuter. Donc, maximale a atteint jusqu'à 33 pendant le week-end par rapport à la couverture nuageuse probable que nous avons avec passage côté de surface. Donc, nous espérons un week-end qui est très humide, un week-end qui est doux côté température. Pour Maritime Nord, Merlin n'est pas agité au niveau côte nord avec golfe de la Gonave, mais quant à côte sud, vagues monter jusqu'à 9 pieds. Et tendance la brûlée comme ça pour samedi et dimanche, c'est des vagues 4-6 pieds qui fréquentent côte nord, golfe de la Gonave. Et pour côte sud, la beauté jusqu'à 9 pieds. Et avec probabilité, vous gâtez la pluie qui fréquente côte sud là. Donc ça demande en pile précaution pour capitaine cap naviguer au niveau côte sud pays. Dans la page astronomique, le soleil, l'heure était couchée sur Port-au-Prince jeudi à 5h58. Et il y a pleuvé demain matin à 6h00, toujours sous Port-au-Prince. C'est un réel plaisir pour mettre côté pour nous information météorologique sous pays pour week-end. Non? Merci pour attention nous. Passez une bonne soirée et un excellent week-end. Bon, qu'en au même temps, madame Célène, dans un communiqué publié dans la presse, la présidence annonçait le national là pas avancé de 60 minutes à partir dimanche 12 mars cap vini là, bon 2h du matin. Communiqué ça pour tes signatures, secrétaire général la présidence là, Yves Germain Joseph. C'est vendredi 10 mars là quand ancien président René Préval est exposé dans Mupana, c'est le premier parti dans cadre de funérailles nationales qu'a chanté pour ancien chef l'État. En pile autorité a fait déplacement pour rendre hommage à ancien président René Garcia Préval. Le reportage à Marguerite Auguste à Mobile Télévision. Exposition ça a été occasion pour un pile autorité parmi eux président République là Jovenel Moïse accompagné avec première dame non vin rendre un dernier hommage à ancien président René Préval en présence parents famille et amis défunt
diverses personnalités dans toutes couches dans société a défilé devant cadavre là pour exprimer sentiment yo ak attachement yo te gen ak ancien président Préval. Plusieurs autorités qui t'a parlé de ancien numéro 1 nation a expliqué comment c'était un mec qui était simple, toujours prêt pour t'aider à comprendre monde. C'était un bon conseiller et puis c'était un mec qui était croit dans dialogue. Et des leaders qui émergent à partir d'un autre leader. Mais c'est pragmatisme politique yo qui fait qu'ils sont capables de jouer une bénédiction dans l'autre leader pour arriver à faire le même travail que l'autre leader a fait. Alors M. Préval permet rapidement, quel que soit le monde qui a fait science politique, qui a évolué l'action politique, faire démarcation entre justement ça le leadership charismatique et le leadership pragmatique. Et le nous séparer. Nous faisons des échanges que nous-mêmes seuls comprenons. Et bien ces mêmes gens, pour avoir vécu l'expérience, quand il était président, bien deux fois, souvent c'est l'homme de relais, pour me dire que j'en veux tel et même le dire nous avons fait attention par rapport au fait que nous parlons de politique. Mais c'est de la diversité pour aller loin parfois, et soit chercher justement des fois sans face pour aller. Des fois c'est pris. Des fois, il faut faire tous les deux bouquins ou même tirer le juste milieu. Donc, l'essentiel, c'est qu'il est toujours disponible, toujours ouvert à discuter, à parler d'Haïti, à parler surtout d'agriculture. Ouais. Donc, un peu de respect. C'était un homme politique qui te comprend comment pour aborder chaque crise que pays a fait face, d'après un pile de collaborateurs, ancien président René Préval. Il te mettait force dans le balancement pour aider les collaborateurs à jouer une plus bonne stratégie pour aborder les problèmes pays a et puis jouer une solution appropriée dans l'intérêt de toute petite d'Haïti. C'était un président qui te comprend, conseille toute l'autre autorité avant pour prendre une décision dans nos pays a. C'est un monde qui est humble, qui n'a pas de jamais fait usage de pouvoir li pour li obtenir un bagage. Moi, quoi son modèle qui est en ce sens, qu'un pile monde besoin de copier sur ça. Le président Préval marque nous, les marque pays, son grande perte, comme un pile monde dit, une grande perte pour famille, une grande perte pour Zamilio, une grande perte pour le pays. Donc ça a vraiment marqué nous et nous ne pouvons jamais oublier un tel homme qui dirige le pays. Même avec le départ du président Préval, il a dit que c'est une source qui était capable d'inspirer en pile dans le moment côté que nous avons fait effort pour nous sortir de la transition, pour nous garantir la stabilité, consolider l'effort de stabilité. Et le président Préval était quand même d'ado. Figure une image qui rivait sous la stabilité, ok, montrer d'ado le chemin, c'était le chemin pali, qui permet que lui faire un premier mandat complet, lui faire passer par élection, transmettre un pouvoir là, et ensuite un deuxième mandat côté qui transmettre pouvoir, qui était en garantie d'en sortir. Nous espérons que nous sommes capables de continuer dans ce sens-là. Un pile citoyen, sa lieu, sagesse, ancien chef d'État a été adopté pour diriger le pays. D'après eux, simplicité la caille chef l'État te permet de gagner plus respect et affection pour lui. Disponibilité René Préval pour PIA t'a servi exemple pour tout le monde qui t'a voulu venir diriger PIA. René Préval fait dans l'année 1943, il mourit 3 mars 2017. Activité pour marquer disparition ancien président René Préval commencé depuis vendredi 10 mars là avec exposition Koa dans le cadre musée Panthéon National Haïtien. Exposition ça c'est occasion pour chaque membre de la population venir garder et puis rendre un dernier hommage by président ak famille. Sorti midi 30 pour arriver 6h à souhait tout le monde a chance pour garder visage ancien président René Préval, président actuel ak famille, ancien président ministre ak ancien ministre, directeur général, membre de la société civile là, membre de la corps diplomatique là dans le pays d'Haïti, recteur ak doyen diverses facultés ak université dans le pays là, c'est parmi moun qui marqué présence dans assistance là. Samedi 11 mars là, c'est journée funéraille kap fèt dans deux parties, c'est dans kiosque Oxyde Gentil tout cérémonie ap fèt. Dans première partie qui c'est cérémonie religieuse a commencé bon 6h30 le matin pour prendre bout à 9h30, c'est monseigneur Désinor Jean Joseph Lafontaine.
président à Ducan Jean-Sylvain qui a célébré cérémonie. 10 heures c'est cérémonie civile là qui a commencé côté c'est Yolette Etienne qui a met cérémonie. Charles Chiffra, Robert Manuel, Patricia Préval, c'est trois monde qui a de pour prendre la parole pendant deuxième partie. Après trois témoignages, c'est tout par président de la République là, Jovenel Moïse, qui a bien pour le faire discours en vain et lever ce cœur là. C'est policier qui habille à uniforme pour circonstance là, avec un brassard noir, qui a responsabilité de lever ce cœur là, pendant même famille a prend place, et puis fanfare à prendre hommage. À 10h30, le matin, cortège là, fête côté la prendre direction ville Mamelade, dans le département la Tibonite, c'est dans ville Mamelade, dernier parti à organiser, en vain et record ancien président René Préval. Deux heures après-midi, population dans la localité Boché, ensemble avec l'autorité locale, Tadre vient accueillir ce que là avant Père Evans André de Lavar fait dernier prière. Fonfa Palais National l'a joué sonnerie au mort, il a dégradé président, il a retiré drapeau qui te couvri ce que là, il a remettre famille. Tout le monde a pris direction cimetière à côté il pral déposer ancien président René Préval dans dernier caillou. Notre point dans le journal là, ministère environnement, Union européenne avec le programme Nations Unies pour développement présenté jeudi à résultat plusieurs travaux réalisés sous dossier changement climatique là. Présentation ça a été occasion pour ministère à rappeler importance travail il a fait avec partenaires internationaux li sous question. Le extrait dans micro Marie Jolouis à Henri Robert Chéri. Aujourd'hui, ce sont les résultats des consultations techniques, les réflexions des décideurs politique et les préoccupations des secteurs clés du pays qui vont être passés au crible pour définitivement aboutir à un document de politique consensuel, consistant et réaliste. La politique nationale de lutte contre le changement climatique, dont il est question, constitue à la fois une nécessité et une véritable opportunité, dans la mesure où elle permettra d'orienter d'autres politiques publiques, de développer de nouveaux secteurs de l'économie sobre en carbone et résilient au choc du changement climatique. Le ministère de l'Environnement a bien sûr un rôle central à jouer dans ce chantier et d'une manière générale dans la transformation de notre économie. C'est là tout le sens de la stratégie initiée par le ministère dans le cadre du programme AP3C pour intégrer les préoccupations liées au changement climatique dans la politique, stratégie et plan du gouvernement. Il est donc impérieux de développer et renforcer les capacités des institutions publiques pour mieux répondre aux attentes de nos concitoyens, notamment en termes d'atténuation et d'adaptation des changements climatiques. Qu'il me soit permis de rappeler les mesures de mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national d'Haïti, instrument facilitateur d'application de l'accord de Paris. À cet égard, je veux rendre hommage à l'opiniâtreté dont font preuve quotidiennement les services du ministère dans la lutte pour la préservation de l'environnement, notamment la direction de lutte contre les changements climatiques. Bien sûr, dans cette lutte, le ministère n'agit pas seul. Si je suis pleinement conscient de la contribution des partenaires techniques et financiers et de la société civile, de fait, la conjugaison des efforts, le dialogue entre les acteurs publics et privés reste et demeure la passerelle incontournable pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Ceci mérite d'être encouragé, enrichi et développé sur cette lancée. J'anticipe la mise en place prochaine de la sous-table sectorielle changement climatique, gestion des risques et désastres, énergie, et le Comité national sur les changements climatiques, CNCC, qui concrétisera cette dynamique. Enfin, je veux souligner à votre sagacité que la mise en œuvre de la politique sera, entre autres, fortement inféodée à la disponibilité de fonds. C'est un enjeu essentiel dans la lutte contre les changements climatiques, dans la mise en œuvre des actions concrètes pour maintenir l'existence et pour promouvoir le développement durable.
Système financement et assurance agricole en Haïti, en tête collée à quelques autres organisations organisées jeudi 9 mars là, un foire agricole et artisanale sous place publique Verrette. Foire ça qui déroule sous thème femme cou garçon nous toutes concernées agriculture ces affaires nous toutes. Faites mal l'idée pour marquer journée 8 mars là qui c'est journée internationale droit femme. Activité ça a fait mal l'idée pour te faire promotion pour une croissance économique durable dans pays là et puis mettre en valeur succès femmes entrepreneurs qui sorti dans différentes régions dans le pays d'Haïti. Rachel Saint-Fort, Gérard Lescoufler pour un reportage. Plusieurs organisations femmes qui sorti dans quatre coins de la Tibonite présentent différentes créations artisanales locales, produits agricoles, jeudi 9 mars 2017 là, dans le cadre de réalisation foire agricole et artisanale sous place publique Verrette, SIFA et l'autre partenaire. Pour marquer 8 mars, qui est journée internationale droit femme. Activité culturelle ça qui fait dans l'idée pour montrer contribution femme dans milieu rural dans développement économique et social pays a des occasions pour moun qui te fait déplacement, te rencontrer femme ça yo, découvrir travail yo, goûter et puis acheter produits locaux tant que collier, sandales, rad, céréales, fruits, jus naturel, plantil et latrier. C'est occasion tout pour responsable inviter population diminuer quantité énergie à utiliser, faire gestion de l'eau, diminuer fatra à faire, yon façon pour protéger environnement. Femme qui te fait déplacement yo te jeune information sur différents services qui disponible dans région an, dans ça qui gain pour wè ak accompagnement, formation, conseil agricole sur produits, service financier agricole commercial selon besoin yo. Projet SIFA a venu avec l'idée pour nous de connaître trois bagailles qui sont importantes pour le secteur agricole renforcé dans le pays. Premier, c'est le crédit agricole. Nous connaissons qui sont des bagailles qui sont importantes pour l'agriculture. Deuxième élément, nous prenons le projet, c'est la question assurance agricole. Nous avons des agronomes qui nous forment, qui nous donnent des formations. Agronomes qui forment toute la question de l'économie, nous avons des agro-économistes. Yo là pour bail gestion conseil pardon yo là pour bail conseil pour bail agriculteur conseil la façon pour yo gérer gens y a travail la terre y a fait commerce femme c'est maman la vie potomitan yo mérite respect ces déclarations magistrat verrait là dans cadre activité ça qui voyait au champ pour femme agricole yo pour exploiter dans société a m'bato champ pour toute femme qui travaille dans l'agriculture parce que gagner un demain meilleur gagner avenir pour moun qui dans l'agriculture moun qui te fait déplacement ak exposant remercier initiateur yo pour activité ça qui bay femme moyen pour vendre tête yo talent yo produit local yo et puis mander accompagnement autorité yo yon façon pour yo produire plus puis bien d'a participer jodi an là c'est pour nous capable montrer nous que et si que vraiment que c'est pas quantité qui comptait mais avec faible moyen nous que n'a avancé vers l'avant on semble capable de dire l'autre mesdames yo moi t'a même dit yo pour yo faire même gens ensemble avec nous pour nous mettre mais ensemble parce que en pile chaille mais en pile chaille pas lou pour nous mettre nous ensemble juste pour nous capable avancer vers l'avant n'a pas rappelé c'est dans l'année 1977 Nations Unies officialisé date 8 mars là journée internationale droit femme qui gen origine li nan lit fòm yo menen pou pi bon kondisyon travay ak dwa vot. Responsable projet FIT de Futur Haïti, changer la vie plantaire, remettre mercredi 8 mars là, il y a le matériel by organisation femme qui pote nos femmes en voie de développement de cabaret. Matériel ça y est pour aller organiser travail la pi bien et puis produit plus dans domaine transformation agricole. Ça fait troisième organisation femme qui bénéficie aide des projets sous plan matériel, sans compter diverses lotes qui bénéficient formation dans plusieurs domaines. Bénéficier avec donateurs, ça a salué fruit, partenariat, ça a poté pour communauté haïtienne, non? Et puis promettre, il y a toujours poursuivre l'initiative là. Je te nomme Nico Esaïe Aurelius avec Dukens Aurelius. Nous faisons victime. Nous, et nous-mêmes, faisons quoi? Nous avons une boutique entrant pour échanger la vie, même lié de nous en pile. Nous disons merci avec le président ici et le directeur Jean-Aubert Estimé.
qui aide nous en pile avec toute l'autre collègue. On a dit merci. Je dis à nous content nous même femmes pour nous chita pour nous capable. Grâce à l'idée nous ensemble parce que je dis à ces fêtes nous. Nous même femmes on a travaillé dans côté. On a travaillé dans deuxième section de base. Il y a nous qui besoin un bon maïs, un bon bitimi, même un bon farine maïs. Tout ça au besoin dans j'ai essayé de capable jeunir à l'aide de projet changer la vie capable de nous n'a marché, n'a avancé. C'est des messagers de connaissances, messagers de progrès. Parce que pour nous progresser, il faut le connaître, il faut l'apprendre. En général, les gens qui produisent dans de mauvaises conditions, les gens qui gagnent, par exemple, des rendements pour maïs de 200, 300, 400 mamites sur un carreau, c'est les gens qui connaissent ou pas connaissent. Ils ne connaissent pas qui j'en peux planter, ils ne connaissent pas qui leur peut planter, ils ne connaissent pas qui semences pour utiliser, qui engrais pour mettre, qui compost pour mettre. Et mesdames, ça y a, il y a bien sous tablette, il y a bien sous laptop, il y a toute information. Et au cas où on fait fond qu'un scoff, fusil, belle fontaine, n'importe qui côté, il y a pas le montrer, mon yo, il y a bien vidéo, il y a pas le parler avec yo, et il y a bien produit tout, il y a bien semence, il y a bien bonne bagaille. Donc c'est ça, Mireille, en français, des vecteurs de progrès. Ouais, il y a madame Sarah dans le pays, il y a un rôle, il y a fait mal, mais c'est pas des femmes, c'est pas des monde qui a mené un progrès. Mesdames, ça y est, vous pouvez mener un progrès. Vous pouvez venir avec progrès parce que vous pouvez partager connaissance moderne avec, n'est-ce pas, les agriculteurs, avec, monde qui, avec les familles dans les zones rurales qui plus font dans le pays, que ce soit en agriculture, que ce soit en nutrition, que ce soit dans le planning familial. Donc, mesdames, souhaitez-nous bonne chance, bon courage et projet à toujours derrière. Après poursuivre avec expert indépendant des Nations Unies sur question droit moun Gustavo Gayon cas de 8e mission en Haïti qui critiquait sévèrement façon situation prison yo a dégradé en deux pays malgré progrès li dit qui fait sous question détention préventive prolongée a bien pile bagaille qui était pour fait Gustavo Gayon a annoncé l'a bien pour remettre rapport aux Nations Unies 21 mars cap vini là comme ça li mandé autorité en place pour prendre bon genre décision pour améliorer les conditions prisonnières et puis éviter moun yo passer trop de temps sans yo pas présenter devant juge naturel yo. Il fait le pour nous prendre pause nous dans journal là n'a tourner dans un petit moment. La discrétion. Les chambres sont climatisées et spacieuses. Une piscine au bleu d'azur disponible pour enfants et adultes. Et surtout une cuisine. Ou même tout, vous capable de voir là où vient Kingdom Hotel. Kingdom Hotel, votre royaume.
Kingdom Hotel, the best place in Haiti. Depuis 1995, Magasin Ofista, c'est une référence dans les affaires matérielles pour bureau. Professionnels, élèves l'école, directeur projet, n'a pas de produit en gros, papier, notes pour imprimer, photocopies, même chaise pour bureau, file cabinet, coffre-fort et la clé. Ofista, c'est le représentant officiel, gros matin, gros date, micro, casio, maxel, imprimer à produit HP, 3M, avec le paquet de magnétique bureau, bonne qualité. Vous découvrez une nouvelle section de zone. Nous avons un magasin Delma, côté où on a choisi Belassé, Castrol, Fou, Rigide, machine à laver, air conditionné à télévision. A Ofista, ne cherche plus, trouve. Ouvrez les jambes, non? Aïdo? Oui. Pas de cash. Posez frère, pour agent autorisé Soje Easy là. Ouvrez compte Soje Easy par là, dans ce qui s'appelle Soje Bank qui pibre ou là. Passez katou, mettez un prêt tout, et puis tapez quantité quoi vous besoin. En vous badge ou quoi vous nommez en Easy Easy. Soje Easy, Soje Easy, Soje Bank, bada yon nouveau service. Sabi a compte pain, Soje Easy, pour la vie ou plus facile. Cherchez qu'on est, pas le payer. Soje Easy, transaction à pisser. Plus rapide, le bac sécurité. Soje Easy, Easy, couper la caille. Soje Easy, Easy, la cabane. Soje Easy, Easy, oh, on bagaille. Soje Easy, Soje Easy, Easy, oh. Soje Easy, yon compte express Soje Bank pour la vie au plus facile. On continue avec cause urbaine et environnement en Haïti. C'est sous thème ça, 275e forum Libé jeudi a déroulé dans l'hôtel Le Plaza. Côté divers intervenants posaient problème construction, caille et dégradation environnement pays. Géographe Jean-Marie Théodade, Georges Eddy Lucien et Régine Laroche étaient parmi intervenants. Pendant deux heures de temps, invité au fait débat grand public là sous sujet ça qui capital pour décider politique et population qui doit faire effort pour freiner construction anarchique qui a des conséquences directes sur l'environnement. Georges Eddy Lucien a précisé dans le micro Jean Fleury. La construction de territoire, c'est-à-dire que c'est l'eau qui a son sens. Même quand il a son sens, il n'est pas représenté la réalité en vrai. C'est comme par exemple, je dis Nord-Est Open of Business. Alors, sur moi, ce que j'ai remarqué, Nord-Est était toujours open. Open pendant la période coloniale pour les métropoles, open pendant la population américaine pour les Américains, et maintenant open pour les multinationales. Ça, à nouveau. Quoi qu'il y ait, les membres de open, comme c'est open au business, là, on va avoir confort à réalité. Mais il y a réalité à partir d'un discours, il construit, il fabrique un territoire. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous avons décrit, il y a des représentations, il conforme à réalité. Mais nous d'accord effectivement que le mode d'organisation dominant, rivé dans la dernière année, c'était toujours montagne, c'était toujours espace rural, mais c'était toujours qu'il y avait écrit, qu'il y avait des dysfonctionnements. C'est peut-être ça, comme historien, malgré qui c'est qu'on a utilisé pour manquer, pour parler de dysfonctionnement. Un mot dysfonctionnement, un mot crise, il va pas utiliser. Il y a parlé de dégradation, il y a parlé d'ensemble de problèmes. Mais c'est vrai, c'est à partir de fin année 2030, et puis. Parole, ça commence à parler, mais c'est surtout sur Port-au-Prince. Il y a un intervenant, Régine Laroche, qui mettait accent dans l'intervention sur l'estructure qui doit mettre en place dans la façon dont on a construit dans Port-au-Prince à devoir l'État pour faire respecter les normes. Architecte Régine Laroche plaide dans ce sens-là pour l'autorité municipale qui a un contrôle serré sous affaire construction dans la région métropolitaine. Oui, il y a la ville en tant qu'entité qui peut avoir une certaine autonomie à la sortie de l'Europe. Une ville, c'est une espèce d'entité organique qui évolue à la faveur de circonstances historiques, à la faveur de besoins et d'opportunités spécifiques. Elle se met à grandir. Mais parfois, elle grandit comme un cancer. Maintenant, elle est organique, elle est autonome,
mais elle n'est pas... Quand nous parlons de vivre, par exemple, nous parlons d'environnement, il y a l'environnement naturel, c'est certain, ça c'est l'œuvre, c'est pas l'œuvre de l'homme, c'est ce que nous trouvons là comme substrat, et il y a l'œuvre de l'homme à travers le bâtiment. En tant qu'architecte, par exemple, il peut dire que c'est notre contribution, en théorie, à la ville, c'est le bâtiment. Étant donné que chez nous, les architectes représentent une portion infime du bâti, je ne veux pas parler aujourd'hui en tant qu'architecte, parce que je dois en toute humilité reconnaître que notre sphère d'influence est très, très, très limitée. Par contre, en tant que citoyens, nous autres qui habitons ces constructions, nous autres qui... effaçons, entre guillemets, ce... Pour géographe Jean-Marie Théodate, l'État doit intervenir pour stopper dégradation situation. Recteur Université Limonade l'a dénoncé, magasin yo fait sous trottoir yo côté activité ça a créé embouteillage. Nous voyons ça relève un plan d'aménagement de l'espace qui décide qui ça qui est capable de faire et surtout qui ça que ou pas capable de faire dans telle zone selon ça qu'a fait la zone. Par exemple. Longtemps sous Gorge, qui s'est gagné. Nous avons une belle avenue, un bel boulevard, le boulevard Jacques de Saline. Nous avons la belle entrée, tellement c'était belle. Tellement c'était, la vie salon pour entrer en pays. Nous avons une belle entrée, nous avons des trottoirs ouverts. C'est-à-dire que, ailleurs, c'est un effet des arcades. C'est-à-dire que nous devons marcher en bas de trottoir sans que ni le soleil à boulot, ni la pluie à mouillot. Et puis, ouais, sur la gauche, ou bien sur la droite, pour des magasins, sur la droite, sur la gauche, pour gagner machine capoulée, etc. Je veux dire, qui sont gagnés? L'on descend en bas de la rue. Magasin, ça qui existait, on fait comme si c'était volontaire à tout passer. Magasin, devient transformé en dépôt. Trottoir, on dit, c'est lui-même qui magasin, c'est là où acheter. Et puis la rue à côté, normalement, on était censé passer, il y a moitié là-dedans qui magasin toujours. Et puis, c'est juste, on entre au filet. Qui est dans le mi-temps boulevard que machine capable finalement passer. Et le petit point point qui fait, circulation bloquée, personne ne va commenter, personne ne va descendre. Qui ça devient bon au final? Ça veut dire que si moi-même je dis caille, que je devais besoin de valoriser souvent, caille ça, il tombe en permanence même parce que je ne suis pas capable de faire dans le corps. Magasin, non, côté de mon bon bijoux, de mon bon tissu, de mon bon bagage, je ne suis pas capable de faire encore. Parce que l'impôt m'a payé. Par rapport à mon cap vend même bagarre en bagarre maintenant, c'est que même moi pas concurrentiel encore. Donc finalement pour sorte de translation qui fait, magasin de mon dépôt, trottoir de mon magasin, et finalement la rue vient tout le monde, l'autre magasin tout, et finalement, nous tous nous faisons bec à terre. Parce que ça veut dire que mon qui t'a payé un four en magasin, va payer un four encore, mon qui n'a pas fait l'argent en bagarre, il y a qu'à vendre, qu'à faire comme là. Lui n'a pas payé l'impôt, mais il n'a pas payé l'État rien. Et puis surtout, l'État n'a pas aucun service. Donc, pour ça, même quand le chita, c'est dans le fait tout à fait, il n'a pas besoin d'aucun détail. Ça veut dire que lorsqu'on est là, à la nuit tombée, activité finie, la mer nous poubelle. Et comme il n'y a plus personne qui a passé par des nettoyants, hein, de jour en jour, payer une tournée en poubelle, on dit là. Donc, poubelle là, ce n'est pas un hasard lié. C'est une poubelle construite. Faut une poubelle parce que dialectique, c'est nous-mêmes qui faisons. Et c'est peut-être que ces fonds poubelles sont miroirs. Donc, vous pouvez là, c'est figure qu'on voit là. Donc, qui ça nous dit? Il suffirait que l'État décide que ça a pas la donne. Le point, organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti, mandé autorité l'État de décentraliser différentes institutions publiques, tant qu'immigration, ONU, DGI, en façon pour population haïtienne, bénéficier plus ses services. Coordonnateur général au CNH, Camille Oxius, déploré dans qui conditions difficiles pour un monde arriver à joindre un passeport dans le service immigration à qui ont quatre identifications nationales dans ONU. Camille Oxius, t'es dans le micro 5, quoi par qui? À Bernard Marseille. Ça fait environ 3 mois depuis l'organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti a mené un plaidoyer sous droit à l'identité. Côté nous avons constaté à Bernard Marseille qui, dans l'immigration en particulier,
côté ta fait citoyen monter en masse qui fait et nous te constater nous t'a prendre gros somme l'argent dans mes citoyen yo gagne des monde qui ont 6 à 7 mois pas de jeune passeport et gagne des monde qui victime tout en bas dans sécurité dans immigration dans marché des passeports. Donc nous comme organisation qui bataille pour droit monde respecter dans pays nous te estimé ben la pas arrêter comme ça et c'est pour ça nous te commencer mener un plaidoyer et nous te fait appel à autorité compétente yo pour te jouer partition yo dans mesure capable n'a continuer pour nous dire faut service là lui-même la joine citoyen yo dans l'autre département yo à savoir moun ki nan plateau central, moun ki nan Artibonite, moun ki nan nord-ouest, moun ki nan nord-est, moun ki nan grand-dans, moun ki nan sud, moun ki nan sud-est. Fok moun sa yo yo lè bezwen fè un passeport, yo pa bezwen nan monte Port-au-Prince pou vin fè un passeport, men fok servis la kapab jwenn moun sa yo nan département kote yo ya men. Yon groupe professeur ki jwenn support plateforme syndicat enseignant Balatibonite organisé ayer jeudi 9 mars la yon sitin devant lycée Stenio Vincent dans Saint-Marc pour forcer autorité concernée yo mete kantine scolaire pour élèves yo et puis augmenter salaire professeur yo. Professeur sa yo annoncé yo campé travail, déposer la crèche jusqu'à ce que autorité dans l'état yo prenne responsabilité yo pour permettre yo jwenn satisfaction. Yo extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Gérard Lescoffler. Nous sommes ensemble professeurs, nous sommes collés avec la plateforme syndicat des enseignants dans la Balatibonite. Nous réunis là, aujourd'hui, quand nous allons faire deux jours de marche, aujourd'hui et demain, ça pour nous faire, ça nous faire, c'est déposer la clé en attendant l'État pour responsabilité. Tout le temps, l'État va prendre responsabilité. Tout le temps, président Jovenel Moïse, pas dit un mot, pas monter rapide vite en commission. Pour ne pas chercher tout ça, et le gouvernement, pour le mettre là, le budget là, pour le payer nous convenablement, pour qu'il y ait infrastructure, pour qu'il y ait matériel didactique dans l'école, pour qu'il y ait un bon plan pour tout le monde, et bien, nous avons un peu de travail. Jeudi vendredi 10 mars, la Dr Francisco de la Cruz s'est lancé clinique Grain de Vie qui doit contribuer dans une façon pour aider les gens vivre en santé. Dans l'occasion, Dr Francisco de la Cruz présentait quelques produits naturels qui aident des populations à suspendre victimes de diverses maladies et puis encourager à éviter de consommer produits importés. Parmi les produits naturels, ça a une capacité Roro, Pitimi, Gomasio, qui d'après Dr de la Cruz, permettent aux gens vivre en santé. Marie-Jean-Louis, Henri Robert. Grain de vie, c'est d'abord, on connaît que végétal, c'est maman, maman, maman aux animaux. Donc, là, nous disons que nous faisons une dire relation à céréales, à façon généralement, nous allons manger. Nous allons épater les animaux, tout le monde a une potence. Mais étant donné que nous-mêmes, la formation que nous gagnons, la prône, la médecine macrobiotique, et c'est, on t'a dit, c'est le traitement, la PCF fait pour les gens qui font maladie de sucre, et bien sûr, la maladie métabolique, qui est capable de permettre que nous gagnions un contrôle de son état, et ouais, comment nous sommes capables de bailler un meilleur service. Le fait que nous gagnions des vies, c'est parce que, suite à l'expérience en 2013, après de 20 patients diabétiques, et jusqu'à présent, nous avons dit que, heureusement, il n'y a pas de médicaments. Mais par contre, il faut reconnaître que l'emballage de macrobiotiques, ce n'est pas pour les gens qui font maladie métabolique, ce n'est pas seulement qui font maladie sucre, etc. C'est pratiquement quelque chose de maladie, et même des maladies qui lient à un problème, nous avons dit, ça nous est squelettique. Donc nous-mêmes, nous avons essayé, qui alternative nous avons fait à Mounsa. D'ailleurs, nous connaissons que médecine, ça nous est la médecine allopathique, là, pratiquement, qui c'est là, nous avons dit que médecine qui prône dans le monde, mais il y a un peu de difficulté, tout ce qui va à la portée de tout le monde. Donc, nous avons essayé, pendant que notre service, dans la clinique Grain de Vie, il y a un autre service. Il y a un gynéco qui est là, dans la salle là, qui a un service, il y a un pédiatre, il y a une maladie interne, il y a un orthopédiste. Mais par contre,
nous gagnons, on a porté plus accent à la situation ça, côté que actuellement en Haïti, nous dépassé par maladie métabolique. Donc, le fait que tu as, c'est pour faire connaissance à ça, nous gagnons à produire notre baillot. Derrière là, nous gagnons une espèce d'appareil, nous avons fait massage pour le monde spécial, pour nous avoir essayé de bouler graisse, nous gagnons un moyen pour nous permettre de nous diminuer le poids. Donc, la piscine, ouais, effectivement, pour avoir l'alternative, et côté que tout le monde qui a vu notre service là, continue à nous dire. Évangéliste Marie Syracuse et Jean-Baptiste, dans le cadre d'une interview, Liba et Télévision Nationale, pour un message pour les Haïtiens. Côté l'invité, tout le monde prend Jésus comme sauveur. Marie Syracuse dit l'État a remis rencontré avec le président Jovenel Moïse pour lui balayer un message face à face. Et moi, c'est sœur Jean-Baptiste Marie Syracuse, dans trois jours jeune qui t'ai fait chant de masse, le soleil, la table dansée. Et yo te gâté non moi relé M. Jean-Baptiste tout moun konnen m sou nom M. Jean-Baptiste raison que femme vinn là moi vinn pour une raison bien pour un but bien déterminé parce que l'Haïti t'a pas écrasé depuis avant 24 décembre 2009 moi te un personnage paraît devant me dit n'a écrasé Haïti 12 janvier et moi te dit ça moi te raconté ça tout moun te konnen c'est puis devant ka été là évangéliste là moi te rete. C'est moi-même qui était aveugle pour Haïti. Oui, tu voyais lettre là-bas le président Préval la 9 juillet 2009 pour dire Haïti pas le craser, pas t'occuper nous. Raison qui mène ici à là, c'est que l'Éternel t'a reproché moi, lui dit moi pas de bon pour t'écrire président Préval ni président Matéli. Président Matéli le 26 décembre 2011, l'ont t'a fait monter moi te voyais lettre là. L'Éternel reproché moi dans marché quoi d'émission m'tal fait marché. Li di mwen l'homme voye côté moun sa yo pi go écrit yo c'est côté yo pour aller également vinn la matin sous télé nationale pour m'alerter président Jovenel Moïse que l'Éternel dit président Jovenel Moïse moi voye côté pour aller parler avec lui pour moi pour dire qui ça li dit président Jovenel Moïse peuple haïtien passé trop misère yo prend trop humiliation yo grand goût un yen pa ka marcher pour yo li vle béni Haïti c'est lik pour bal passer pour peuple la capable béni raison mais comment pour président Jovenel fait pour convertir lui-même pour dire peuple haïtien converti li pral font gros merveille avec Haïti qui joue pour lui adorer ce samedi. Li tande yo bay jou samedi a c'est pas li même qui bay li. Li écrit dans Bible et côté m'bral li verset yo. Que encore li mandé 3 jours jeune national la gen l'autre monde qui gen plus détail moi même li dit m'dil comme ça. Gen un péché haïtien fait qui gen 69 ans. Gloire à Dieu, alléluia. Qui pral gen 70 ans là. Péché ça son péché qui grave. Moi pas capable répéter li sous télévision. Pour lui même s'il voulait pour le relayer parce que m'bral bay numéro téléphone moi s'il veut pour le relayer pour me dire qui péché grave peuple haïtien fait que la souffrir comme ça lui même li doit pas comprendre mais l'Éternel des armées c'est lui même qui met nous c'est lui qu'on parler lui voyait parler avec lui s'il bal passer s'il bay bon Dieu passer la tout bénin avec tout peuple là et puis s'il veut faire 5 ans en paix tout que le temps d'elle tout temps adventiste là pas temps adventiste non excusez-moi oui top sabbat l'Éternel là yo pas veut respecter ya pour chercher un côté pour le baptiser sous montagne c'est pas en pleine parce que pleine n'a pas gain problème. OK. Ou gain numéro téléphone on dit ou baye. Oui. Téléphone moi c'est 31 14 66 86 33 28 38 00. OK, est-ce que dans qui l'église marché même qui sont fait? Moi c'est adventiste du 7e jour. OK, donc et si toutefois Jovenel Moïse pas ta respecter ça, pas ta coûter conseil, ou soit c'est capable à Haïti? Eh bien, Haïti pral subir deuxième choc là, pral passer plus grave, il était déjà plus grave que 12 janvier. C'est 5 fléaux gain pour passer là, c'est de l'eau. C'est la grêle, c'est du feu, c'est tsunami, c'est tremblement de terre. Mais qui quantité monde qui parle jour bénédiction. Année ça fait 37 ans depuis Dieu montré Haïti chita sous tête toute l'autre nation, tout pays en bas. Léogane pral disparaître. Li voye Gonaïve jeté, alléluia. Le temps Tomazo a descendu prend quoi des bouquets rivé Gérald Bataille.
tsunami en pral fait Jérémy Jacmel Benet au Cap Port-de-Paix. Li di peuple a pa vle converti, s'il pa vle fè bagay sa yo passé comme ça que tout moun descend yo, suspend fè magie, yon remè lòt. Li fâché parce que peuple haïtien pa remè haïtien pareil yo. L'on haïtien fè bagay ki bon yo pa janm bat bravo. L'on haïtien fon bagay ki bon yo pa janm bat bravo. L'on haïtien men, l'on haïtien nan travay li fè révoke l. Division trop grave, li fâché que haïtien corrige ou bien sa gen pou fèt la l'ap fèt. OK, est-ce que ou besoin rencontrer président Jovenel Moïse dans cadre message ça? Oui, moi t'a remé rencontrer avec lui parce que gagne un message moi pas ca bailler lui publiquement, c'est lui pour me joindre pour me raconter parce que ça bouche pour dire peuple haïtien mais qui péché nous t'ai fait sous président estimé mais qui ça nous t'ai fait. Nous l'homme là dans 3 jours jeune n'a demandé pardon hein. S'il veut oui, s'il veut reler moi, s'il veut Benito, s'il veut mais qui péché c'est lui même à bouche pour répéter pour dire peuple haïtien mais qui ça pour demander bon Dieu pardon autre que l'autre péché yo. À l'étranger, après mur anti-immigrant président Donald Trump a envisagé monter sous frontière États-Unis avec Mexique, déclaration ministre intérieur américain fait lundi passé concernant nouvelle décision qui adoptée pour diminuer l'immigration illégale là que les Mexicains ont continué soulever vendredi 10 mars là. D'après nouveau magistrat, timon yo pral séparé ak parents qui étaient rentrés illégalement dans pays États-Unis. Ministre affaires étrangères mexicain condamné projet ça qui visait décourager maman et petite yo pour quitter pays dans cadre visite officielle li dans Washington jeudi 9 mars là. L'autre motif mécontentement Mexique avec Washington pour kounya c'est question commerciale là qui lui même tout créé en pile tension. Président mexicain pour rencontrer avec tocay américain li Donald Trump et aucun rendez-vous pas programmé pour jour cap vini yo. Nous pensons que séparer les familles à leur arrivée, dit-il, indépendamment des raisons qui ont motivé cette politique, représente une attaque à l'intégrité de l'unité fondamentale de la société. Je veux parler de la famille. Environ 5 personnes ont perdu la vie dans un accident hélicoptère dans la ville Istanbul, pays Turquie, vendredi 10 mars. D'après l'agence presse russe, c'est parmi 5 victimes, il y a 4 hommes d'affaires russes. D'après plusieurs témoins, appareil a été frappé à qui ont tout télévision avant l'écraser dans une autoroute qui traversait un quartier dans notre pays Turquie. Pour qu'on y ait, l'autorité turque n'a pas aucun détail sur ça qui est la cause accident-ci-là. Toujours à l'étranger, président nigérien Muhammadu Buhari retourné dans le pays le jeudi vendredi 10 mars là après 2 mois il fin passé dans Grande-Bretagne. D'après porte-parole li, président est obligé prendre 2 mois congé à cause problème santé côté docteur te mandé pour prendre repos. Muhammadu Buhari voyon lettre ba l'Assemblée nationale là pour officialiser retour dans pays et puis faire connaître la quitter vice-président géré pays a pour continuer à reposer. Le président Buhari est rentré dans le pays Grande-Bretagne pour te recevoir soins à cause d'une infection dans l'oreille, d'après rapport officiel gouvernement nigérien fait sortir. Et c'est à la page internationale là n'a fermé téléjournal à soya mais quelques points ont été développés. C'est jeudi vendredi 10 mars là quand ancien président René Préval était exposé dans Mupana depuis bon 2 heures dans l'après-midi pour 6 heures. C'est une première partie dans le cadre funérailles nationales qu'a chanté pour ancien chef l'État. Plusieurs personnalités politiques et société civile là défilé après-midi à devant des pour ancien président René Préval pour rendre un dernier hommage. Dans un communiqué publié dans la presse, la présidence annonçait le national là avancé de 60 minutes à partir dimanche 12 mars à Vignan de 2h du matin. Ministère environnement, Union européenne avec MUD présenté jeudi à résultat plusieurs travaux réalisés sous dossier changement climatique là. Et puis à l'étranger, environ 5 personnes perdu la vie dans un accident hélicoptère dans la ville Istanbul, pays Turquie, vendredi 10 mars là, d'après agence Russe. Parmi 5 victimes, il y a 4 hommes d'affaires russes. Merci à vous-même qui t'es prêté nos attention pendant tout téléjournal là. Merci à tout le monde qui participait dans la réalisation. Nous souhaitons tout le monde passer un très bon week-end en compagnie de Radio et Télévision Nationale d'Haïti.